Hello tout le monde, c'est Forlux6. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Tomb Raider, l'épisode numéro. Le number 8, le numéro 8. Et alors, là, je suis encore sur mon PC, il faut juste attendre un petit moment que je prenne le jeu en possession. Voilà, donc on va repartir sauver notre ami Sam. Je baisse un petit peu le son du jeu, voilà, et c'est reparti. Donc il y a notre ami là qui nous couvre depuis là-haut, il me semble, normalement. Bref. Et puis, c'est tout. Yaaaaaah! Attention Lara, ce pont grouille de garde. Super. Une idée? Oui, mais ça va pas être facile. Tu peux sûrement traverser par en dessous. C'est exactement ce que je craignais d'entendre. Ne t'en fais pas. Je te couvrirai, compte sur moi. T'as intérêt à me couvrir. Wow. Le feu. Donc, il faut savoir que j'enregistre les épisodes le soir, plutôt. Comme ça, les chiens, ils sont tranquilles. Ils font pas de bruit. Et puis, ça va mieux. Comme ça, ça emmerde moins ceux qui regardent la vidéo. Je les ai dans mon viseur. Allez, hop. On y va. Je compte sur toi, Rose. Il se passe rien du tout. Tu crois qu'ils ont eu la fille? N'en fais pas. Si c'est pas le cas, elle viendra à nous. Le père Mathias nous enverra chez Léonie si on la trouve pas. Seulement si... Tu. J'ai bien cru t'avoir perdu. Tu vas bien? C'est pas passé loin. Allez. Hop, et on va passer tranquillement sans qu'ils me voient. Aouh. Je devine que je n'ai pas de parachute. Sûrement pas. C'est pas grave, voilà. Je regarde juste un truc. Voilà. L'épisode, je crois que ça fait 2 minutes qu'il a commencé. Donc j'arrêterai environ dans 25 minutes. Stop, ne bouge plus, ils vont voir. Allez. Vas-y maintenant. Hop. Stop, attends, je l'ai presque. Vas-y. Ah. Il est balèze hein, comme mon sniper. Merci de m'avoir couvert, Ross. Je crois qu'on est quitté. Ah. Oula. On ne mourra pas. Allez, on monte, monte, monte. Espèce de... Allez, cours, 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 cours. Non, merde, pas. Ouf, la chance. Oula, ça a frisé. Ouf. Juste, juste. Allez. Je vais les chercher, Ross. Je vais revenir. C'est promis. Je ne peux pas faire ça. Il est là. Le feu est très bien fait. Hein. C'est pas le meilleur, mais il est vachement très bien fait. J'ai envie de dire, t'as de beaux yeux, tu sais. Je trouve ça drôle. Je fais la technique des chats, vous savez, ils ont toujours la tête bien en l'air pour bien respirer.
quand ils sont dans l'eau. Encore et toujours des cavernes. Voyons. Alors il faut aller là-bas, mais je vais aller jeter un coup d'œil ici. À manger. Y'a rien d'autre. Continuons tranquillement. C'est en la libérant que nous nous libérerons. Cette fille, le sang de cette île coule dans ses veines. Elle est peut-être la clé. Le rituel des flammes va nous montrer la vérité. Himiko, tu es le commencement et la fin. Fais entendre ta voix. Tu as tué notre frère. Aïe, 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 aïe. Ça c'est pour Vladimir, sa chaîne. Assez. Dimitri, Nikolai, amenez-la moi. Non, mes armes. Pas cool ça. Cool, ils m'ont frappé. Toutes les créatures du monde font face et se battent dès que leur vie est en danger. Je ne désapprouve pas cette réaction, jeune fille. Je fais seulement ça depuis beaucoup plus longtemps que toi. Préparez-vous, mes frères! Notre reine va bientôt nous parler! Parle-nous, Himiko! Parle-nous à travers les flammes! Je suis désolée. Regarde-moi. Regarde-moi. Elle... elle est l'élu! Bientôt, mes frères! Nous serons libres! Emmenez-la dans la salle du trône. Ton combat est terminé, créature. Te sens pas bon. Je ne vois pas le corps. Je ne crois pas qu'elle ait survécu à la chute. C'est devenu une rouge garde. On va descendre voir. Juste regarder un petit peu comment elle est faite, toute rouge avec plein de sang. Il manquerait plus quelques petits doigts comme ça dans les cheveux. Un peu de trip. Ah, j'ai plus que mon arc et j'ai même plus de flèches. On peut avoir une flèche. Une sorte de gaz naturel. Ça a l'air dangereux. Ouais, et... ah, je crois que j'ai compris en fait.
Voilà. Allez. Un feu de camp, je vais voir si je peux améliorer quelque chose. C'est de la folie. Cet endroit n'est que pure folie. Mathias croit que l'esprit de Himiko nous retient prisonniers ici. Ce n'est pas possible. Mais il a atteint le tel de... Ah mais comme j'ai pas mon matos, ça sert à rien. Chaque nouveau frère est affecté à une tâche au sein des Solari. Tant que Mathias continue à prouver sa connexion spirituelle avec la Reine Solaire, les hommes sont prêts à le croire. L'initiation est brutale. Nous devons détruire leur conscience, les rendre inhumains. Les nouvelles recrues sont envoyées dans les profondeurs de la grotte, où on les affame pendant des jours, parfois des semaines. Ceux qui survivent sont accueillis dans la confrérie à bras ouverts. Je ne peux toujours pas expliquer le pouvoir que Mathias a découvert. Mais peu importe. Nous ne quitterons jamais cette île. Parfois, j'ai l'impression d'être en enfer. Après tout ce que nous avons traversé, ça ne serait pas forcément pire. Intéressant. Donc si vous entendez des petits clics, clics, c'est quand j'active et que je désactive mon micro. C'est pour que vous sachiez quand même que c'est pas un bug, ça. C'est l'activation et la désactivation de mon micro. Ah, il est cuit maintenant. Du saute. Voilà. Ok, tu es complètement fou, c'est pas grave. On se calme. Il y a quelque chose par terre. Géocache. Ah. Pardon. C'est par là. Mais je vais aller voir un truc là-bas. Voilà. Du matos. Ah. En éternuant, je me suis débouché l'oreille droite. Ça faisait longtemps. On ne me touche pas, je l'ai déjà dit. Pas de fouiller, c'est pas drôle. Il faut que j'aille là-bas. Allez, allez. Ah, c'est super cool par contre. Voilà, là c'est mieux. Des fois j'ai vraiment l'impression que j'ai oublié de réactiver mon micro, c'est affreux. D'accord, d'accord. Oh merde, j'ai point d'aide. Qu'est-ce qu'il va faire?
pas besoin de ça. Tu me brûles. Toi, tu me brûles aussi. Évident là. Hop, hop, hop. Oh, je fais le plein de flèches là. Même plus besoin. Alisha, ma chérie, je ne voulais pas t'écrire cette lettre, mais si je ne le fais pas maintenant, l'occasion ne se représentera peut-être pas. J'ai quelques problèmes à résoudre, et il se pourrait que je reste loin de toi plus longtemps que prévu. Je ne sais pas quand tu liras cette lettre, mais je veux que tu saches que je me suis battue pour toi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Tout ce temps loin de la maison, l'argent économisé, les sacrifices. Je suis désolée pour tout ce que tu vas devoir endurer sans moi. Si je ne reviens pas, va voir Conrad Ross. Tu ne l'as jamais rencontré, mais c'est le meilleur des hommes. Et c'est ton père. Tu as ses yeux. Tu es la plus belle chose de ma vie. Et je t'aime plus que tout. Ok, donc Ross a une fille. Ok. Intéressant. Générateur. Ah, là-haut. Qu'est-ce que c'est? Bref. Yeah. Ici, un feu de camp. Il nous reste du temps, donc c'est bon. On dirait qu'il date du début du 18e siècle. Bref, on s'en fout, c'est un éventail. Comme vous voyez, certains trucs je passe parce que tout simplement, ça vous gardez le plaisir aussi de faire le jeu. Je ne vous révèle pas tout. C'est ce qui s'appelle du bon travail. C'est pas par là. Hop. Ah, là-haut. À manger. Voilà. Saute. Oui, alors des fois je dis quelques petits trucs, c'est surtout pour le montage. Donc c'est un petit peu plus simple. À quel ils sont. Nous attendons le jour
Dans ma langue, ça veut dire ferme ta gueule. Hop. Hop, voilà. Il y a quelque chose par là? Non. Même pas besoin de réfléchir pour ça. Encore ? On se pose pas de questions. Voilà. C'est ça, continue, s'il te plaît. Tu vas voir, tu vas adorer quand je te plante une de ces flèches dans le cul. Mais merde. Lève ta tête. Voilà. Oh bordel. Wow, Lara la guerrière. Comment t'es arrivée jusqu'ici? On m'a aidée. Grim? Oui. Il s'en est pas sorti. Merde. Je le croyais invulnérable, ce type. Il s'est pas laissé faire. Il m'a permis d'arriver jusqu'à vous. Un hélicoptère de sauvetage est en route. Sam est enfermé ailleurs. Vous avez des nouvelles de Whitman? Visiblement, il est pas dans la chambre d'amis. Monsieur Chobiz a dû réussir à se faire surclasser. On le trouvera. Et Sam aussi. Mais il faut déjà qu'on sorte de là. Je vais trouver une solution. Facile à dire, mais peut-être moins facile à faire. Allez, allez, allez. Allez. Ok, d'accord, j'ai compris où il faut que j'aille. Ça devient stable ici. Le sol commence à céder. T'en fais pas pour ça, Lara. Seulement sortir de là. T'assures, ma belle. Faut que j'explose ça, mais... Je comprends pas. Est-ce qu'il faut que je fasse comme ça? Aha! Merci Jonah, c'est chaud. Accrochez-moi quelque chose. Oh, on a perdu le plancher de la cage. Regarde en bas, mon vieux. Il y a plus de plancher. Faut qu'on sorte de ce truc. Un volcan. Oui, ça craint.
On va se mettre là. Alors... je ne comprends pas. Je ne peux pas aller là-bas, donc logiquement, je dois quand même utiliser ça. Lara, jamais j'aurais pu dire ça. Mais il nous faut une plus grosse explosion. Oui, je sais. Ah ah, maintenant que tu le dis. Okay. Bah voilà. Merci. Putain de merde, on a eu chaud. Allez. Okay. Alors allez-y. Je vais chercher Sam et Whitman. Allez. Allez, monte, monte, monte. Au prochain feu de camp, ce sera la fin de l'épisode. Ça fait un moment qu'on y est. Le gros bordel. Pourquoi juste mes flèches? Sérieux? Allez. C'est ce que je dis, toujours avancer. Et monte. Hop. Allez. Et un mort en plus. Allez, accroche-toi. Voilà. Il y a une tyrolienne. Hop, bordel. Allez. C'est Mathias. Personne ne part. J'ai entendu ça en japonais avant que l'avion s'écrase. Le rituel du tombeau de Himiko. Mais pourquoi Mathias s'y intéresse-t-il ? Allez, allez, allez. Je vais aller où? Ah, là. Allez. Oh, bordel. Au. Allez. Il peut pas y avoir un feu de camp là. Lara, vous êtes vivante. Vous aussi? Enfin, je veux dire, ça va? Vous n'avez rien? Dès qu'ils ont cessé de me voir comme une menace, j'ai pu me déplacer plus librement. Vous étiez au courant pour les autres? Oui, 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 Sam est là-bas. Mais il m'aurait fallu une arme pour la libérer. C'est cela, Larry. Ce sont des merdes.
logique, Lara. Ce sont des psychopathes, Dr. Whitman. Il faut qu'on aide nos amis à s'enfuir. Bien sûr, je fais le gars ici. Vous me dites quand la voie est libre. Frousserve. Je crois que tu ne comprends pas. Tu as été choisi, Sam. Je coupe le micro. C'est un grand honneur pour toi. Pour nous tous. Certains commençaient à perdre la foi. Mais tu es arrivé. Je vous en prie. Vous croyez que je suis spéciale, mais... je ne le suis pas. Je ne veux pas être choisie. Mais il ne s'agit pas de ce que tu veux. Il s'agit de ce que tu es. Le sang de Himiko coule dans tes veines. Et je crois que tu le sais, Samantha. Vous êtes fou, Mathias. Pourquoi faites-vous ça? Tu cherches la logique et la raison là où il n'y en a pas. J'ai fait la même erreur autrefois. Je croyais que les bateaux pourraient arriver jusqu'à nous et que les avions ne s'écraseraient pas. Je veux rentrer chez moi. Oui, tout comme moi. Ça fait des années que j'attends ce moment. C'est ma vie que j'ai donnée. Tu crois peut-être que je n'ai pas essayé de partir d'ici, de cette île? Mais nous sommes pris au piège. Et toi, Samantha, tu as le pouvoir de nous libérer de tout cela. Nombreux sont ceux qui ont perdu leur âme à désirer un tel temps. L'incendie se propage. L'autre fille a disparu. Ah, il est temps d'en finir. Dimitri, tu ne la quittes pas des cieux. Bah voilà. Lara ! Dieu merci, t'es là. Je commence à croire que je deviens folle. Ça va aller. Ça va aller. Tout va bien se passer. Mes armes. Comment on va faire pour sortir de là ? Il faut qu'on parte avant qu'ils reviennent. Whitman, où est-ce qu'il est passé? Fuyez, Lara, fuyez! Attrapez-les! Ok, fuyez. Retourne dans la salle du trône. Non. C'est la fin de l'épisode, je suis navré, mais on se quitte en pleine action. Ça vous laissera plus d'envie de regarder la suite, et moi ça m'arrange si vous voulez encore regarder la suite, parce que c'est pas mal de boulot, n'empêche. Donc ça fait 33 minutes, c'est un petit peu plus long que les épisodes habituellement, mais on n'a pas trouvé de camp, donc voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire. On se retrouve très prochainement, prenez soin de vous, à plus tout le monde.